Les enfants, est-ce qu'on est là? Oui! Est-ce qu'on est content? Oui! Est-ce qu'on peut applaudir papa pour te placer? Petit. Applaudissez pour les mamans du quartier Dialogue. Applaudissez pour Tata. Applaudissez pour Tata. Applaudissez pour Tanti Abibat. Du dimanche 23 décembre 2018, ici même au quartier Dialogue, le prophète Joël Crasso. Premier responsable de la fondation, prophète Jacques Crasso, espoir de vie. Il a toujours fait, depuis la naissance de ce grand centre, de cette fondation, inspiré par Dieu, parce que le Père Céleste l'a envoyé en mission pour aider les enfants, non seulement démunis, les orphelins, les veuves. Et il ne cesse jamais, n'est-ce pas, d'accomplir cette mission confiée par le Père Tout-Puissant. Applaudissez. Prophète Joël Crasso, alors ses enfants, alors pendant ce temps, papa c'est un peu encore debout, hein, en fait, on l'applaudit, il s'est inscrit. Plus fort. On va se lever. On se lève. Vice président de la fondation pour votre jeune Crasso, espoir de vie. Bienvenue rejoindre le quartier Dialogue. Ah oui, plus de 100 enfants. Récompensés, si je peux bien le dire ainsi, à recevoir les cadeaux de la mère du Père Noël, l'initiateur. Les enfants de la fondation vont nous rejoindre, vous allez les applaudir. On reçoit les enfants, l'encadreur, ça dit, il y a papa Moni. Les enfants de la Fondation, prophète Joël Crasso, applaudissez. Ces enfants, vous venez. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un peu de sourire pour les enfants du dialogue quand même. Regardez les enfants du dialogue. Alors, le sourire. Alors, balancez les mains comme ça. Voilà. C'est bon? Ça se passe bien? D'accord. Si vous n'applaudissez pas, vous allez pleurer. Hein. Vous pleurez. Du quartier Dialogue, papa Moni, moniteur de la fondation, prend la parole. Merci. Je voudrais, au nom du prophète, représenter ici, en ces circonstances de joie, par le vice-président de la fondation, au nom du personnel de l'encadrement, au personnel encadreur de la Fondation, au nom de tous ces enfants qui sont venus représenter les autres, je voulais vous dire merci et que le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être avec nos frères, nos enfants, nos sœurs du dialogue.
Et tout à l'heure, les voix les plus autorisées, nous citerons les raisons pour lesquelles nous sommes là. Pour l'heure, nous, notre joie, c'est de partager ce moment avec vous. C'est pourquoi je voudrais vous dire merci. Et que le Seigneur bénisse ces circonstances. Et que Allah soit avec nous, je vous remercie. On applaudit. Merci, papa Moni. Et voilà, chers enfants de la Fondation, venez rapidement, voilà, appréciez celle-là et sachez que c'est le sourire, hein. Dialogue aime bien le sourire. Vous vous présentez. Je m'appelle Boga Sina Mélis-Profène. Je veux saluer tous mes frères et sœurs du dialogue, tous mes amis. En tout cas, je suis heureuse de vous voir tous réunis en ce jour. Je suis contente de pouvoir aussi venir partager les cadeaux avec vous, les enfants du dialogue. Je veux vous saluer. Je veux saluer mes amis, mes parents en tout cas, qui sont ici. Je veux dire merci parce que on se sent. Vous êtes là. Vous êtes là pour nous aider aussi. C'est pour cela que je veux vous dire merci. Une des grâces que tu as. Et je suis nouvelle à la Fondation du prophète Joël Tasso. Je veux vous dire bonsoir et vous saluer vraiment au nom de tous mes frères et mes sœurs que je représente pour ce soir. Je veux vous souhaiter joyeux Noël à vous et à vos familles. Merci. Merci, l'enfant, très cher encadreur, très chère maman du quartier Dialogue, ce soir, nous avons la lourde mission de représenter un grand homme de cœur, le prophète Joël Tasso. Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il entreprend de rendre visite aux enfants de ce quartier Dialogue. Et quand on représente un monsieur de cette stature, je pense que c'est une lourde tâche, parce qu'il faut le dire, parce qu'il faut être inspiré. Donc ce soir, nous sommes là, c'est un grand jour pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est un grand jour pour tout le monde, mais surtout pour ces enfants. Ces enfants qui attendent quelque chose, selon la tradition. Noël, c'est pour les enfants. Noël, il faut gâter les enfants. Et le prophète Joël Tasso, que je l'insiste honneur de représenter, a eu l'habitude d'instaurer cette tradition dans son comportement. Parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui voudraient un peu savoir l'histoire de ce grand homme, il a été aussi orphelin très tôt. Et aujourd'hui, ce qu'il n'a pas vécu, il le traduit assez aisément à travers les enfants du monde entier. Déjà, en 2013, quand il s'installait à Zarogo, parce que nous sommes à la fête de Noël, c'est par rapport à la fête de Noël que nous sommes là ce soir. Donc déjà à Zarogo, cette histoire de fondation, effectivement, qui a eu une vision, était loin, bien sûr, dans son esprit. Parce que cette histoire avait déjà germé, mais n'avait pas encore pris corps physiquement. Et déjà à Zarogo, à chaque fête de fin d'année, c'est-à-dire les Noël, il distribuait des cadeaux. On l'a souvent accompagné. Il y vient depuis 2013. 2014, ça a été la même chose. En 2015, nous étions dans un village qui s'appelait Grand, où nous avons organisé un arbre de Noël. Et après Grand, à chaque fois, ici à Divo, on a toujours organisé l'arbre de Noël pour les enfants, les tout petits. Et de temps en temps, ils venaient ici, je crois, au quartier Dialogue, pour satisfaire aussi les enfants. Tantôt, c'est ces enfants d'ici qui sont aussi transportés à la Fondation pour partager la même joie avec leurs camarades, avec leurs petits camarades. Donc cette année, 2018, nous sommes là. Nous sommes avec vous pour traduire l'expression de ce grand homme, le prophète Joël Tasso. Franchement, nous n'avons pas la capacité, encore moins la qualité, de porter ce poids. À ce moment où je vous parle, Il suit depuis Paris, c'est pas cette cérémonie qui est capitale, c'est-à-dire donner des présents aux enfants. Mais au-delà des présents, cette année,
le prophète nous a fait le message qu'il faudrait cette année que les enfants dont il a la charge, dont il a l'éducation, les enfants de notre fondation, il a demandé que ces enfants apprennent aussi à partager, c'est-à-dire à recevoir. C'est ainsi que je vous l'annonce de manière solennelle. Le 24, je pense que c'est demain, le prophète a demandé expressément à tous les enfants, n'est-ce pas, de sa fondation, d'inviter les enfants du quartier Dialogue, je crois, pour partager un repas. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi apprendre à partager. Quoi de plus normal pour que ces enfants, qui sont l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de demain, puissent savoir, n'est-ce pas, partager ce qu'ils gagnent. Parce que si aujourd'hui le prophète partage, ce n'est pas parce qu'il en a abondamment, en abondance, non. Mais c'est parce qu'il l'aime et il le fait de gaieté de cœur. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est pour partager quelque chose, n'est-ce pas, qui est cher à un homme. C'est vrai que nous sommes aussi intéressés, mais l'homme même qui est concerné et aujourd'hui qui est directement touché du fond de son cœur et qui n'ose pas souvent s'exprimer parce que parler de soi est souvent difficile, le prophète, je pense que c'est nous. Et ceux qui doivent parler du prophète doivent se multiplier encore par 10 pour que tout le monde parle de ce monsieur. Parce que ce monsieur, au grand cœur, c'est réellement un envoyé de Dieu et il fait son travail comme il se doit. Et depuis toujours aujourd'hui, il est dans notre région à Divoire, il nous apporte ce qu'il faut. C'est vrai, c'est un homme public, mais ce n'est pas un homme politique. Donc il n'a pas besoin de la voix de quelqu'un. Et ce qu'il fait, il le fait de manière désintéressée, il le fait de manière bénévole. Et il faut que tout le monde le sache. C'est pourquoi encore ce soir, j'aimerais remercier nos mamans qui sont là. N'est-ce pas, nos mamans, ils sont venus soutenir l'action du prophète. Je voudrais remercier très particulièrement Madame Fatma Kone, qui n'est pas parmi nous, qui est un peu malade, dit-on, mais on aimerait quand même remercier du fond du cœur, parce qu'elle s'est toujours associée à nos actions, de toute son équipe. Je parlais de Kone Aminata, de Traoré Bintou, toutes ces encadreuses, les collaboratrices de Madame Kone, qui sont là ce soir et qui ont mobilisé, n'est-ce pas, les jeunes du quartier Dialogue pour pouvoir partager cet instant d'enfance, n'est-ce pas, cet instant d'enfance avec nous et avec la Fondation Prophète Joël Crasso. Aussi, je ne voudrais pas, sans toutefois, m'inspirer ici déjà de l'exemple de nos enfants qui se sont présentés. Il y a M. François. Vous verrez très bien qu'un enfant, parce que toujours il faut tirer les leçons, un enfant a besoin d'être encadré. Autrement dit, déjà aujourd'hui, nous sommes à un stade où nous pouvons dire que l'échec d'un homme n'est pas forcément une fatalité. C'est malheureusement un manque d'encadrement. Et nous pouvons bien le dire par rapport à l'expérience que nous vivons avec nos enfants. On a parlé tout de suite, il y a le jeune François qui est venu tout de suite pour saluer ses frères. Mais cet enfant François, comment est-ce que le prophète l'a découvert? C'est tout simplement parce que cet enfant a fait des parcours, il a parcouru des kilomètres à pied parce qu'il a entendu parler du prophète. Je crois qu'il venait de Roumé, il a traversé et il est arrivé à Kizé. Et de Kizé, comme il était au camp du prophète, il y avait un bétail, c'est-à-dire les moutons du prophète qui étaient à la disposition des pasteurs qui s'en occupaient. Et l'enfant s'est entrepris de s'occuper de ces moutons-là. Quand un jour l'homme de Dieu est arrivé, le prophète Joël Crasso, il voit un enfant, un inconnu, à côté de ses moutons, et il a été surpris, et il a posé des questions à l'enfant, il a salué, il dit, mais qu'est-ce que tu fais à côté des moutons? L'enfant dit, non, je suis venu ici pour rester au centre avec les autres, parce que je suis mal entretenu chez moi, chez mes parents, je suis accusé de sorcellerie, et donc je suis là, je m'occupe des moutons. Le prophète lui a dit, bon, mais ta place, ce n'est pas auprès des moutons. Ta place, là, c'est à l'école. Et le prophète l'a inscrit. Et au moment où on vous parle, cet enfant, je crois qu'il est à l'école et il fait partie de tous ceux qui ont aujourd'hui les bonnes moyennes dans notre fondation, la Fondation Prophète Joël Crasso. Je prends ensuite le deuxième cas, le cas de la jeune fille UFL, je crois. Cette fille, elle a aussi son histoire. Elle était dans les chaînes, dans une maltraitance inouïe par ses parents à Gagnoa.
et on l'a amené chez le prophète. Et le prophète, après avoir, n'est-ce pas, délivré cette jeune fille, disons qu'elle avait déjà perdu son avenir parce qu'elle ne pouvait plus aller à l'école, etc. Elle était rejetée de tous. Le prophète l'a inscrite. Et l'année dernière, quand elle a été inscrite, on l'a fait sauter des classes. Parce que ça faisait 2 ans que cette petite fille n'allait plus à l'école. Donc on l'a fait, on l'a mis dans une classe, je crois, au CM2. Et elle travaillait très bien. Donc on l'a fait sauter des classes et on l'a mise au CM2. Donc quand elle est arrivée au CM2, elle a eu son entrée en 6e. Et au moment où on vous parle, elle est en 6e et elle est la première de sa classe. Donc c'est pour vous dire quelque part que l'être humain, l'homme a besoin d'être encadré. L'homme ne doit pas être abandonné et livré à lui-même. Toutefois que vous le faites, surtout pour un état, sachez assumer. Parce que là, ce n'est pas la faute forcément à l'homme. Même un animal, lorsqu'il est entretenu, pour ceux qui aiment élever les animaux, les chiens, etc., vous voyez un peu le comportement de cet animal quand il est encadré. À plus fort raison, un homme. Donc tout ce que nous voulons dire ce matin, lancer comme appel, donner comme leçon à tout un chacun, c'est de dire qu'il faut encadrer un être humain qu'on appelle un enfant. Et à ce âge, l'enfant a toujours besoin d'être encadré. Et s'il est effectivement encadré, on n'aura jamais de microbe en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on se plaît à parler d'enfants en conflit avec la société. Mais pire, on parle d'enfants en conflit avec la loi, comme si les enfants savaient ce que c'est que la loi. Je pense que nous, notre devoir à nous, parents, c'est d'encadrer les enfants. C'est de nous occuper effectivement de ces enfants et on verra qu'il y aura moins de déchets. On ne parle pas du tout de déchets. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et ce que le prophète Joël est en train de faire nous donne un bel exemple de ce que quand l'être humain est encadré, il devient quelque chose. Il ne devient jamais un déchet. C'est ce que j'avais à donner comme leçon ce soir. Au nom du prophète Joël Crasso. Vraiment. Est-ce qu'on peut applaudir encore? Ceci étant, guider des leçons, nous sommes là pour donner des cadeaux aux enfants. Mais il fallait quand même faire cette petite parade. C'est une parade qui ne fait pas de mal. Il fallait le dire à nos parents, comme nous sommes parmi nos parents, nos mamans, pour dire qu'il doit prendre soin des enfants. Plus on prend soin d'un enfant, plus il est mieux encadré, plus il devient quelque chose. On est sûr qu'il deviendra une personnalité demain. Ceci étant, je souhaite bonne fête à nos enfants. Nous allons remettre les cadeaux. Je remercie les encadreurs. Si tu aimes Papa Noël, pour ce peu. Si tu aimes, femme, pour ce peu. Si tu aimes, 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 pour ce peu. Et si tu aimes, encore pas de bruit. Et si tu aimes, encore pas de bruit. Si tu aimes, 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 pas de bruit. Okay.
exactement fait le cadeau, fait le choix. Merci. La chute. Il fait des heureux au quartier Diallo. Cette année encore, il a fait parler son cœur. On lui dit merci. On lui souhaite longue vie et qu'il continue de donner des cadeaux à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, surtout en particulier au quartier Diallo.